défaut plein. Profession libérée. Aujourd'hui, Primo Bellone. On y est, enfin de vraies retrouvailles. Je vais retrouver de ma superbe. J'ai même taillé ma moustache. Hallucinant, je vais revoir Primo Bellone, le boss des boss. On nous appelait les Siamois. Qu'est-ce que tu fous là, branleur? Ça veut dire bonjour en italien. Hey, Primo, come va? Mieux que toi, c'est sûr. Dis-moi. Oui. C'est le même costume qu'il y a 15 ans? Ça te dérange pas, les caméras? Non, les flics m'ont prévenu. Les flics me suivent? Bah, comme je suis sûr, écoute, et que tu m'appelais 15 fois par jour. Ça t'a porté préjudice? Non, t'inquiète, avec ce que je leur donne par mois. Attends, tu couperas, hein? Ouais, t'inquiète pas, ouais. Ça fait du bien de t'en voir. Toi, t'as besoin de fric. On a tous besoin de fric. Ouais, du fric, j'en ai, c'est de t'en donner que j'en ai pas envie. D'ailleurs, tu m'en dois pas. Je crois pas, non. Quand t'as récupéré mon club et mon casino gratuitement, moi je pensais que c'était l'inverse. Gratuitement, t'es pas malade, ça m'a coûté un max. Et il est où ce max? Au Caraïbe, sur un compte? Non, chez ton père. Quoi? T'as rien dit? Non. Oh, choupette. Ben dis donc, c'est beau la famille. Et tu croyais quoi? Il était bourré de dettes, ton père. Il en devait tellement à tout le monde que même à lui, il s'en devait. Alors, et ton retour dans le monde? Pareil que t'es plus rien. Non, j'ai plus rien. Ouais, c'est pareil. J'ai du boulot, si tu veux. Faut-tu écrire? Là, pour ça, j'ai ce qu'il me faut. Tu vas pas me livrer quelques colis, des fois? Où ça? Paris. Combien? Quoi, combien? Tu veux pas commencer à me jouer les épiciers? Je crois que t'as pas les moyens, surtout. Je négocie rien du tout. Tu me donnes un prix et j'avise. Il a combien de zéros, ton prix? T'as vu des zéros dans gratuit, toi? Ça m'a fait du bien de te revoir. Ok, t'auras du blé. En tout cas, c'est bien, t'as gardé ta dignité. Hein. Contrairement à la tôle, où tu l'avais oublié. En parlant de câlin, c'est qui cette Inès Mougin? Mais les flics t'ont parlé d'elle aussi? Ouais, j'ai demandé où t'habitais. Oh, il paraît qu'elle est jolie. Elle a un cœur, elle. Contrairement aux gars du milieu, si je comptais sur eux pour me trouver un toit. Ah, ben je suis pas au milieu, moi, je suis en haut. Fais gaffe, Primo. Moi aussi, j'étais en haut. En haut, de quoi? De l'échafaud? Tu vivais au crochet de ton père. Tu claquais comme un malade. Tu te servais pas dans la caisse, t'avais la main soudée dedans. Dans la famille, il n'y avait pas de comptable, donc pas de feuille de paye, donc je me payais tout seul. Bon, bref, c'est quoi ces colis? Drogue. Je touche pas. Ah, mais c'est pas pour toi. Encore heureux, je touche pas, je t'ai dit ni de près ni de loin. Ils t'ont pas dit, tes copains les flics? T'as pas besoin d'un chauffeur plutôt? T'as le permis, toi? Et les serveurs? Faut que tu me finisses le bar. Mais je bois à peine. C'est pas ce que me disent les flics. Attends, Primo, là, je rêve ou tu sais tout ce qui m'arrive? Oh ben non, pas tout. Ah, quand même. Ouf. Dis-moi. Oui. Tu vas te marier? Avec? Avec qui? Avec Inès? Ben non, avec Désiré, le travelot. Ça m'énerve. Bon, allez, je vais te prouver ma bonne foi. T'as Inès, si tu veux l'épouser. Je m'occupe de tout. Nuit de noces compris. Et je vous achèterai une petite maison pour vous installer. C'est vrai? Non. Mais les flics avaient raison. Qu'est-ce que t'es devenu con, dis donc? Rires.